بعكس ما تعتقده أو على عكس ما تعتقده، أنا لست غاضبا. كيف نعبر عن هذه الجملة أصدقائي؟ Oui, très bien. Contrairement à ce que tu penses, je ne suis pas fâchée. Contrairement à ce que tu penses, je ne suis pas fâchée. Contrairement, ça c'est un adverbe, yani darf, معناه بعكس أو على عكس. Contrairement à ce que tu penses, je ne suis pas fâchée. On peut dire aussi, contrairement à ce que tu penses, je ne suis pas en colère. Contrairement à ce que tu penses, je ne suis pas en colère. Une autre phrase. هي أفسدت خططي بسببها لا أستطيع أن أفعل ما أردت. Oui, très bien. Elle a contrarié mes plans. À cause d'elle, je ne peux pas faire ce que je voulais. Elle a contrarié mes plans. À cause d'elle, je ne peux pas faire ce que je voulais. On a le verbe contrarier signifie empêcher quelque chose à réaliser, yani منع القيام بشيء ما. Elle a contrarié mes plans. À cause d'elle, je ne peux pas faire ce que je voulais. On peut dire aussi, elle a gâché mes plans, à cause d'elle, je ne peux pas faire ce que je voulais. On peut utiliser aussi le verbe gâcher, signifie aussi yufsido. Elle a gâché mes plans, à cause d'elle, je ne peux pas faire ce que je voulais. الآن استمع جيدا عزيزي المشاهد لهذه الجملة. Ce métier a des contraintes. Il faut se lever tôt, travailler tard, être toujours disponible. Ce métier a des contraintes. Il faut se lever tôt, travailler tard, être toujours disponible. Voilà la phrase. Ce métier a des contraintes. Il faut se lever tôt, travailler tard, être toujours disponible. En arabe, هذه الوظيفة لها قيود. عليك الاستيقاظ مبكرا والعمل متأخرا وأن تكون دائما متاحا يعني متفرغا. Ce métier a des contraintes, يعني هذه الوظيفة أو هذه المهنة لها قيود أو إكراهات. Les contraintes, un nom féminin, اسم مؤنث كما قلت إكراهات أو قيود عندما يكون الشخص مكره أو مجبر على فعل شيء ما. On a l'adjectif disponible, يعني متاح أو متفرغ. Ce métier a des contraintes, il faut se lever tôt, travailler tard, être toujours disponible. الآن إذا أردت أن أقول هو يحب أن يناقضني، يعني أن يقول عكس ما أقوله، الشخص الذي يناقضك دائما. عندما أقول نعم هو يقول لا. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. Oui, très bien. Il adore me contredire. Quand je dis oui, il dit non. Il adore me contredire. Quand je dis oui, il dit non. On a le verbe contredire, un verbe de troisième groupe, signifie affirmer le contraire de ce que dit quelqu'un. يعني التأكيد على عكس ما يقوله شخص ما. إذن يناقض. Il adore me contredire. Quand je dis oui, il dit non.
Et on a aussi le verbe se contredire, un verbe pronominal signifie dire des choses contradictoires. Je répète, dire des choses contradictoires, يعني قول أشياء متناقضة. يعني الشخص الذي يناقض نفسه يقول أشياء وبعد ذلك يقول عكسها. يعني يناقض أو يتناقض مع نفسه. Se contredire. Voilà un exemple. Tu m'as dit que tu aimais la campagne. Et maintenant, tu dis que tu n'aimes rien d'autre que la ville. Tu te contredis. Je répète. Tu m'as dit que tu aimais la campagne. Et maintenant, tu dis que tu n'aimes rien d'autre que la ville. Tu te contredis. يعني بالعربية لقد أخبرتني أنك أحببت البادية والآن تقول إنك لا تحب إلا المدينة. أنت تناقض نفسك. Tu m'as dit que tu aimais la campagne. Et maintenant, tu dis que tu n'aimes rien d'autre que la ville. Tu te contredis. الآن إذا أردت أن أقول قام أحمد بالخطوة الأولى للتصالح مع ندى، كيف نعبر عن هذه الجملة أصدقائي؟ Oui, très bien. Ahmed a fait le premier pas pour se réconcilier avec Nada. Ahmed a fait le premier pas pour se réconcilier avec Nada. Le premier pas, يعني الخطوة الأولى, est le verbe se réconcilier, un verbe pronominal, فعل مركب معناه يتصالح. Ahmed a fait le premier pas pour se réconcilier avec Nada. الآن استمع جيدا عزيزي المشاهد. Ne fais pas les 100 pas. Tu auras ton cadeau ce soir. Ne fais pas les 100 pas. Tu auras ton cadeau ce soir. Voilà la phrase. Ne fais pas les 100 pas, tu auras ton cadeau ce soir. On a l'expression faire les 100 pas signifie aller et venir dans l'attente de quelque chose. Je répète, aller et venir dans l'attente de quelque chose, يعني الذهاب والإياب في انتظار شيء ما. يعني الشخص الذي يبقى يذهب ويرجع في انتظار شيء ما. يعني يكون متوتر يقوم بخطوات كثيرة في الذهاب والإياب. نقول لا تقم بالذهاب والإياب ستحصل على هديتك هذه الليلة. هذه ليست ترجمة حرفية ولكن معنى هذه العبارة. Ne fais pas les 100 pas, tu auras ton cadeau ce soir. الآن إذا أردت أن أقول أنا أتعلم الفرنسية خطوة بخطوة، جملة سهلة جدا أصدقائي. Oui, très bien. J'apprends le français pas à pas. J'apprends le français pas à pas. Pas à pas, يعني خطوة بخطوة. Pas, يعني خطوة. J'apprends le français pas à pas. الآن إذا أردت أن أقول أنا أرى أن مستواه في الحساب متوسط. Oui, très bien. Je vois que son niveau en calcul est passable. Je vois que son niveau en calcul est passable.
passable ça c'est un adjectif signifie d'une qualité moyenne يعني بدرجة متوسطة. Je vois que son niveau en calcul est passable. جملة أخرى سهلة جدا أصدقائي. لن أذهب إلى المدرسة إذا كنت متعبا. Je n'irai pas à l'école si je suis fatigué. Je n'irai pas à l'école si je suis fatigué. Irai, ça c'est le verbe aller conjugué au futur. On a la deyna fa'l yadhab musarrafi al mustaqbal. Je n'irai pas à l'école si je suis fatigué. هي اختلقت ذريعة أو حجة للتخلص منه. تذكرون أصدقائي فعل يختلق كنا قد رأيناه سابقا. Oui, très bien. Elle a inventé un prétexte pour se débarrasser de lui. Elle a inventé un prétexte pour se débarrasser de lui. On a le verbe inventer, معناه يختلق. Un prétexte, يعني حجة أو ذريعة. Le verbe se débarrasser, معناه يتخلص. Elle a inventé un prétexte pour se débarrasser de lui. الآن كيف أقول أنا لا أقبل أنه يكذب علي؟ جملة سهلة جدا أصدقائي. Oui, très bien. Je n'accepte pas qu'il me mente. 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 الآن كيف أقول بما أنها لم تكن مستعدة خرجت بدونها؟ Comme elle n'était pas prête, je suis sortie sans elle. Comme elle n'était pas prête, je suis sortie sans elle. Une autre phrase. كان العمل شاقا في البداية لكنني اعتدت عليه. Oui, très bien. Le travail était dur au début, mais je m'y suis habitué. Le travail était dur au début, mais je m'y suis habitué. هنا استعملنا الضمير أو البرونون Y pour éviter la répétition. استعملنا الضمير لتفادي التكرار يعني تكرار كلمة le travail وقلنا فقط je m'y suis habitué. لكنني اعتدت عليه. كنا قد رأينا سابقا كيفية استخدام الضميرين Y و أن لتفادي التكرار لمن يشاهد فالدرس يوجد في القناة. Le travail était dur au début, mais je m'y suis habitué. الآن كيف أقول لم يستطع أن يفهم لماذا تصرفت هكذا.
n'arrivait pas à comprendre pourquoi elle avait agi comme ça. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi elle avait agi comme ça. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi elle avait agi comme ça. الآن كيف أقول لا يجب أن تضيعي وقتك معه؟ Tu ne devrais pas gaspiller ton temps avec lui. Tu ne devrais pas gaspiller ton temps avec lui. Tu ne devrais pas gaspiller ton temps avec lui. الآن كيف أقول ويقضي وقته في التسلية أو هو يقضي وقته في التسلي بدلا من البحث عن عمل؟ Oui, très bien. Il passe son temps à s'amuser au lieu de chercher un travail. Il passe son temps à s'amuser au lieu de chercher un travail. Il passe son temps à s'amuser au lieu de chercher un travail. الآن كيف أقول أنت تتصرف بطريقة سخيفة؟ تذكرون أصدقائي صفة سخيف أو سخيفة كنا قد رأيناها سابقا؟ Tu te comportes d'une façon ridicule. Tu te comportes d'une façon ridicule. Ridicule معناها سخيف أو سخيفة. Tu te comportes d'une façon ridicule. Une autre phrase. أي يوم سيناسبني. N'importe quel jour me conviendra. N'importe quel jour me conviendra. N'importe quel jour me conviendra. Une autre phrase. سأخبرك بكل شيء أعرفه. Je te dirai tout ce que je sais. Je te dirai tout ce que je sais. Je te dirai tout ce que je sais. Une autre phrase. Wa faqada kulla ma ladayhi. Il a perdu tout ce qu'il avait. Il a perdu tout ce qu'il avait. Il a perdu tout ce qu'il avait. الآن استمع لهذه الجملة وحاول أن تفهمها عزيزي المشاهد. Ce qu'elle dit est complètement creux. Ce qu'elle dit est complètement creux.
Voilà la phrase. Ce qu'elle dit est complètement creux. En arabe, ما تقوله فارغ تماما. Creux, au sens figuré, يعني في التعبير المجازي, معناها qui est sans intérêt, يعني بدون أهمية. يعني شيء فارغ. Ce qu'elle dit est complètement creux. Une autre phrase. في حالة مشكلة, يعني في حالة وجود مشكلة, يمكنك الاتصال بي. En cas de problème, tu peux m'appeler. En cas de problème, tu peux m'appeler. En cas de problème, tu peux m'appeler. مثلا إذا أردت أن أقول أنا أحاول أن أنفق القليل من المال للاقتصاد أو لكي أقتصد. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. Oui, très bien. J'essaie de dépenser moins d'argent pour économiser. J'essaie de dépenser moins d'argent pour économiser. Le premier verbe, c'est le verbe essayer, conjugué au présent de l'indicatif. أول فعل هو فعل يحاول مصرف في الحاضر. Le deuxième verbe, c'est le verbe dépenser, معناه ينفق. Et le verbe économiser, معناه يقتصد. J'essaie de dépenser moins d'argent pour économiser. جملة أخرى هي تقلل كل ما أقوله يعني تقلل من شأن كل ما أقوله. Oui, très bien. Elle déprécie tout ce que je dis. Elle déprécie tout ce que je dis. On a déjà vu le verbe déprécier signifie diminuer la valeur de quelque chose. رأينا سابقا فعل يقلل معناه يقلل من قيمة شيء ما أو يقلل من شأن شيء ما. Elle déprécie tout ce que je dis. جملة أخرى هو ليس متأكدا إذا كان يستطيع أن يأتي فهذا سيتعلق بحالته الصحية. جملة طويلة عزيزي المشاهد يمكنك توقيف الفيديو للتفكير في الإجابة. Oui, très bien. Il n'est pas sûr de pouvoir venir, cela dépendra de son état de santé. Je répète, il n'est pas sûr de pouvoir venir, cela dépendra de son état de santé. Il n'est pas, le premier verbe, c'est le verbe être, conjugué au présent de l'indicatif, أول فعل هو فعل يكون مصرف في الحاضر. Le verbe pouvoir, معناه يمكن أو يستطيع, فعل من المجموعة الثالثة. Le verbe venir, معناه يأتي. Et le verbe dépendre, cela dépendra, conjugué au futur. لدينا كذلك فعل يتعلق أو يتعلق بشيء ما. فعل من المجموعة الثالثة, مصرف في المستقبل. État, يعني حالة صحية الصحة. Il n'est pas sûr de pouvoir venir. Cela dépendra de son état de santé. أنا أتساءل أين يمكن أن يكون؟ Oui, très bien. Je me demande où il peut bien être. Je me demande où il peut bien être. Je me demande
Oui, il peut bien être. جملة أخرى: هو يتهمني بكسر هاتفه، لكن لست أنا. Oui, très bien. Il m'accuse d'avoir cassé son téléphone, mais ce n'est pas moi. Il m'accuse d'avoir cassé son téléphone, mais ce n'est pas moi. Il m'accuse d'avoir cassé son téléphone, mais ce n'est pas moi. هي تستقبل دائما ضيوفها بلطف. Oui, très bien. Elle accueille toujours ses invités avec gentillesse. Elle accueille toujours ses invités avec gentillesse. Elle accueille toujours ses invités avec gentillesse. جملة أخرى: هي أعطت قبولها للسماح له بالخروج. Oui, très bien. Elle a donné son acceptation pour le laisser sortir. Elle a donné son acceptation pour le laisser sortir. Le premier verbe, c'est le verbe donner, معناه يعطي, acceptation, يعني قبول, laisser, معناه يترك, ولكن في هذه الجملة جاء المعنى يسمح, sortir, يعني يخرج. Elle a donné son acceptation pour le laisser sortir. جملة أخرى: هذا الاقتراح يبدو مقبولا بالنسبة لي. Oui, très bien. Cette proposition me semble acceptable. Cette proposition me semble acceptable. Cette proposition, يعني هذا الاقتراح, le verbe sembler, معناه يبدو, acceptable, يعني مقبول. Cette proposition me semble acceptable. جملة أخرى: أنا لست ملزما أو مضطرا لمرافقته. Oui, très bien. Je ne suis pas obligée de l'accompagner. Je ne suis pas obligée de l'accompagner. Obligée, معناه ملزم أو مضطر. Accompagner, معناه يرافق, رأيناه في العديد من المرات. Je ne suis pas obligée de l'accompagner. جملة أخرى: عليك أن تحدد نفقاتك إذا كنت تريد أن توفر. Oui, très bien. Tu dois limiter tes dépenses si tu veux épargner. Tu dois limiter tes dépenses si tu veux épargner. Tu dois limiter tes dépenses si tu veux épargner. أخيرا وافق على مساعدتي بدون مقابل. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. Oui, très bien. Enfin, il a accepté de m'aider sans contrepartie. Enfin, il a accepté de m'aider sans contrepartie. On peut dire aussi, finalement, il a accepté de m'aider gratuitement, c'est la même chose. Enfin, ou finalement, il a accepté, yani, qabila ou wafaqa, m'aider, le verbe aider, معناه يساعد, sans contrepartie, sans yabidoun,
contrepartie يعني مقابل. Enfin, il a accepté de m'aider sans contrepartie. جملة أخرى. نحن قريبون جدا لدرجة أنني أعتبرها فردا من عائلتي. Oui, très bien. Nous sommes tellement proches que je la considère comme un membre de ma famille. Nous sommes tellement proches que je la considère comme un membre de ma famille. Membre يعني فرد. Nous sommes tellement proches que je la considère comme un membre de ma famille. جملة أخرى. البرد لم يشجعني على الخروج للركض. تذكرون أصدقائي فعل لا يشجع عكس فعل شجع كنا قد رأيناه سابقا. Oui, très bien. Le froid m'a découragé de sortir courir. Le froid m'a découragé de sortir courir. Découragé يعني la يشجع. Ici, le verbe est conjugué au passé composé. Le froid m'a découragé de sortir courir. جملة أخرى. نجح بفضل والديه اللذان شجعاه كثيرا. الآن لدينا فعل شجع يشجع عكس لا يشجع. Oui, très bien. Il a réussi grâce à ses parents qui l'ont beaucoup encouragé. Encouragé ou عكس الفعل أو le verbe décourager. Encourager, شجع يشجع, décourager, كما رأينا, لا يشجع. Il a réussi grâce à ses parents qui l'ont beaucoup encouragé. لاحظتوا أنها تقلل من قيمة كل ما أقوله. تذكرون أصدقائي فعل يقلل يعني يقلل من شيء ما أو يقلل من قيمة شيء ما. هذا الفعل كنا قد رأيناه سابقا. خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. نعم أحسنت. J'ai remarqué qu'elle déprécie tout ce que je dis. J'ai remarqué qu'elle déprécie tout ce que je dis. كما رأينا هنا déprécie هي يقلل. يقلل من قيمة شيء ما أو يقلل من شيء ما. J'ai remarqué qu'elle déprécie tout ce que je dis. جملة أخرى. لقد أثبت فعالية عمله. نحن سعداء به. تذكرون كلمة فعال أو فعالية كنا قد رأيناها سابقا. Oui, très bien. Il a prouvé l'efficacité de son travail. Nous sommes contents de lui. Il a prouvé l'efficacité de son travail. Nous sommes contents de lui. Le verbe prouver معناه يثبت efficacité يعني فعالية de son travail يعني عمله. Nous sommes يعني نحن content يعني سعداء de lui به. Il a prouvé l'efficacité de son travail. Nous sommes contents de lui. جملة أخرى. آمل أن يكون ذلك واضحا بما فيه الكفاية. Oui, très bien. J'espère que cela est suffisamment clair. J'espère que cela est suffisamment clair. J'espère que cela est suffisamment clair.
جملة أخرى، عندما يبقى في المنزل دون أن يفعل أي شيء يشعر بالملل أو يمل. Oui, très bien. Quand il reste à la maison sans rien faire, il s'ennuie. Quand il reste à la maison sans rien faire, il s'ennuie. تذكرون فعل أو le verbe s'ennuyer معناه يشعر بالملل. Quand il reste à la maison sans rien faire, il s'ennuie. الآن أصدقائي لدينا تساؤل سهل جدا. كيف أقنعته؟ Oui, très bien. Comment l'as-tu convaincu? Comment l'as-tu convaincu? Ici, on a le verbe convaincre, يعني يقنعه, conjugué au passé composé, مصرف الماضي المركب. Comment l'as-tu convaincu? جملة أخرى. يكفي الذهاب في الساعة الثامنة لتكون في الوقت المحدد. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير. Oui, très bien. Il suffit de partir à 8 heures pour être à l'heure. Il suffit de partir à 8 heures pour être à l'heure. Le premier verbe, c'est le verbe suffire, conjugué au présent de l'indicatif. أول فعل هو فعل يكفي مصرف في الحاضر الدلالي أو في المضارع. Il suffit de partir à 8 heures pour être à l'heure. وسوف يمر بعد فترة ويمكنك أن تسأله بنفسك. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير. Oui, très bien. Il va passer dans un moment et tu pourras lui demander toi-même. Il va passer dans un moment et tu pourras lui demander toi-même. Répète avec moi haute voix. Il va passer dans un moment et tu pourras lui demander toi-même. Une autre phrase. هي لا تعرف ما ينتظرها أو ماذا ينتظرها. Oui, très bien. Elle ne sait pas ce qui l'attend. Elle ne sait pas ce qui l'attend. Elle ne sait pas ce qui l'attend. جملة أخرى. هي يجب أن تكون على علم بالقرارات التي تم اتخاذها. Oui, très bien. Elle doit se mettre au courant des décisions qui ont été prises. Elle doit se mettre au courant des décisions qui ont été prises. Elle doit se mettre au courant des décisions qui ont été prises. Une autre phrase. Ana awad an atadakhal fi hadhihi an-nuqta. Oui, très bien. J'aimerais intervenir sur ce point. J'aimerais intervenir sur ce point. On peut dire aussi, je voudrais intervenir sur ce point. Je voudrais intervenir sur ce point. جملة أخرى. هو تحدث مطولا أو لفترة طويلة لكن رسالته لم تمر.
Oui, très bien. Il a parlé longtemps, mais son message n'est pas passé. Il a parlé longtemps, mais son message n'est pas passé. Il a parlé longtemps, mais son message n'est pas passé. جملة أخرى لا تستمع إليها فهي تقول فقط التفاهات تفاهات يعني جمع تفاهة أي سخافة Oui, très bien. Ne l'écoute pas, elle ne dit que des absurdités. Ne l'écoute pas, elle ne dit que des absurdités. كما قلنا absurdité هي تفاهة أو سخافة يعني شيء لا قيمة له. Ne l'écoute pas, elle ne dit que des absurdités. Une autre phrase هي عندما لا تكون في المدرسة تشعر بالملل كثيرا. Oui, très bien. Quand elle n'est pas à l'école, elle s'ennuie beaucoup. Quand elle n'est pas à l'école, elle s'ennuie beaucoup. Quand elle n'est pas à l'école, elle s'ennuie beaucoup. Une autre phrase. ولا يريد الاعتراف بأخطائه. Oui, très bien. Il ne veut pas admettre ses torts. Il ne veut pas admettre ses torts. Les torts yani al-akhta. Un tort yani khata. Un nom masculin ism mudhakkar. Il ne veut pas admettre ses torts. On peut dire aussi il ne veut pas admettre ses erreurs. Il ne veut pas admettre ses erreurs. C'est la même chose. Une autre phrase. توقف عن التتاؤب أنت تجعلني أرغب في النوم تذكرون أصدقائي فعل يتتاءب كنا قد رأيناه سابقا Oui, très bien. Arrête de bâiller, tu me donnes envie de dormir. Arrête de bâiller, tu me donnes envie de dormir. On a le verbe bâiller, yani yatata'abo. Arrête de bâiller, tu me donnes envie de dormir. جملة أخرى مع هذه الأسئلة المحرجة لا أعرف ماذا أقول. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير. Oui, très bien. Avec ces questions embarrassantes, je ne sais pas quoi dire. Avec ces questions embarrassantes, je ne sais pas quoi dire. Embarrassante, yani muhrija, ça c'est un adjectif sefa. Avec ces questions embarrassantes, je ne sais pas quoi dire. كيف أقول في الواقع لقد ضيعت وقتي معهم. Oui, très bien. En fait, j'ai perdu mon temps avec eux. En fait, j'ai perdu mon temps avec eux. En fait, j'ai perdu mon temps avec eux. الآن استمع جيدا لهذه الجملة. Je me suis acharné à mon travail. Et j'ai fini par le terminer avec succès. Je me suis acharné à mon travail et j'ai fini par le terminer avec succès.
Voilà la phrase. Je me suis acharné à mon travail et j'ai fini par le terminer avec succès. On a le verbe s'acharner signifie mettre beaucoup d'énergie pour réussir quelque chose, يعني بذل الكثير من الطاقة لتحقيق شيء ما, يعني سعي وراء شيء ما بكل جهد. En arabe, عملت بجد في عملي وأنهيت بإكماله بنجاح. Je me suis acharné à mon travail et j'ai fini par le terminer avec succès. Une autre phrase. علي أن أفكر في إعادة الاتصال بوالدتي وإلا ستقلق. Il faut que je pense à rappeler ma mère ou elle va s'inquiéter. Il faut que je pense à rappeler ma mère ou elle va s'inquiéter. Il faut que je pense à rappeler ma mère ou elle va s'inquiéter. Une autre phrase. إذا أقرضته نقودا فلن يعيدها إليك أبدا. يمكنك تصديقي أو يمكن أن تصدقني. Si tu lui prêtes de l'argent, il ne te le rendra jamais. Tu peux me croire. Si tu lui prêtes de l'argent, يعني إذا أقرضته نقودا, on a le verbe prêter, معناه يقرض, il ne te le rendra jamais, فلن يعيدها إليك أبدا. Tu peux me croire, يمكنك تصديقي. Si tu lui prêtes de l'argent, il ne te le rendra jamais. Tu peux me croire. Une autre phrase. Je ne peux pas rester les bras croisés et ne rien faire. Je ne peux pas rester les bras croisés et ne rien faire. Voilà la phrase. Je ne peux pas rester les bras croisés et ne rien faire. يعني أنا لا أستطيع أن أبقى مكتوف الأيدي وأن لا أفعل شيئا. Les bras croisés يعني أن لا تفعل شيئا, مكتوف الأيدي. Je ne peux pas rester les bras croisés et ne rien faire. Une autre phrase. أنا مجبر أو أنا ملزم أن أفي بوعدي. Je suis obligé de tenir ma promesse. Je suis obligé de tenir ma promesse. Je suis obligé, يعني أنا مجبر أو كما قلت أنا ملزم, de tenir ma promesse, أن أفي بوعدي أو أن أحافظ على وعدي. Tenir une promesse, الحفاظ على الوعد. De tenir, أن أفي أو أن أحافظ. على وعدي, ما بروميس, لا بروميس هي الوعد, ما بروميس يعني وعدي. Je suis obligé de tenir ma promesse. Une autre phrase, انا لا افهم لماذا لم يتصل بي بعد. Oui, très bien. Je ne comprends pas pourquoi il ne m'a pas encore appelé. Je ne comprends pas pourquoi il ne m'a pas encore appelé.
Je ne comprends pas pourquoi il ne m'a pas encore appelé. Je ne comprends pas pourquoi il ne m'a pas encore appelé. Une autre phrase. أنا لم أتدخل في خلافهم. Oui, très bien. Je ne me suis pas mêlée de leur dispute. Je ne me suis pas mêlée de leur dispute. Je ne me suis pas mêlée. يعني أنا لم أتدخل. Dispute يعني مناقشة أو خلاف أو نزاع. Je ne me suis pas mêlé de leur dispute. Je me demande bien ce qu'ils mijotent. Je me demande bien ce qu'ils mijotent. Voilà la phrase. Je me demande bien ce qu'il mijote. يعني بالعربية أنا أتساءل ما الذي يفعله. On a le verbe mijoter, on l'utilise dans le langage familier, signifie préparer secrètement, يعني التحضير أو الاستعداد سرا, يعني أن تخطط أو أن تفعل شيئا بسرية. Mijoter. Je me demande bien ce qu'il mijote. Je me demande bien ce qu'il mijote. الآن كيف أقول أنت تعلم أنه يمكنك الاعتماد علي دائما. Oui, très bien. Tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Tu sais que tu peux toujours compter sur moi. الآن أصدقائي وصلنا إلى سؤال التميز وسؤال اليوم يقول هو لطيف جدا بعكس أو على عكس ما فكرت به. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أدعوكم أصدقائي لكتابة الإجابات كما العادة في التعاليق. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. وإذا كان كذلك لا تبخلوا علي بالضغط على زر الإعجاب ومشاركة الدرس مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة. إلى فيديو قادم إن شاء الله والسلام عليكم.